Michel Drucker l'assure, il y va mieux. Invité de 20h30 le dimanche le 25 avril, l'animateur de Vivement Dimanche est revenu sur sa lourde opération à cœur ouvert subie en septembre dernier, qu'il retrace dans le livre « Ça ira mieux demain ». Et si ses problèmes sont presque derrière lui, il doit toutefois poursuivre une longue rééducation afin de se remettre totalement de cette intervention qui lui a déjà valu une longue convalescence, mais de laquelle il garde un petit handicap. En effet, sur le plateau de France 2, il a précisé avoir toujours le pied gauche qui traîne, qui est un peu paralysé, lui qui a par ailleurs frôlé l'amputation de la jambe droite. Un petit problème que Michel Drucker essaye depuis plusieurs mois de résorber, et qui n'est autre qu'une gêne neurologique au pied gauche avec deux doigts réfractaires, avait-il ainsi détaillé dans une précédente interview. Un handicap pas gravissime pour l'animateur, mais qui est toutefois gênant pour lui, qui poursuit la rééducation malgré son retour à la télévision en mars dernier dans Vivement Dimanche, après une convalescence pénible, voire même humiliante pour lui durant laquelle il était devenu un pantin. Michel Drucker a donné une consigne avant son opération et si la convalescence a été longue pour Michel Drucker, l'opération elle, n'était pas des plus simples également, tandis qu'il souffrait de plusieurs infections. Une intervention, qui dans le pire des scénarios aurait pu mal tourner, mais qui s'est bien déroulée pour l'animateur de France 2. Toutefois, au cas où cela ne se serait pas passé comme prévu, il avait donné une consigne à ses médecins. Si ça se passe mal, vous me débranchez, a ainsi fait savoir Michel Drucker à son médecin, qui avait dans une précédente interview accordée à Paris Match évoqué sa peur, non pas de mourir mais plutôt la peur d'être un mort-vivant. Et ce notamment, parce qu'il redoutait un point essentiel pour lui, plutôt mourir que de me réveiller sans pouvoir exercer mon métier.